Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du colis du swap automne. Oh là, j'en perds mes mots, je suis tellement émue parce que il y en a. Le paquet, il fait son poids, il y a beaucoup de paquets donc dans le colis. Je vous dis, je perds mes mots. Oui, je voulais aussi vous dire que je ne veux pas perdre, j'en suis désolée, je ne veux pas perdre de temps à vous expliquer, enfin vous raconter toute l'histoire de ce swap. Je vous invite à aller voir l'article qui se trouve sur mon blog, dont bien évidemment vous trouverez en barre d'infos. Alors, c'est parti, donc il n'y a pas de numéro, je pense pas qu'il y ait un ordre, mais bon, je vais comme d'habitude commencer à ouvrir la lettre. Alors, oh c'est chou! Bon, je vais quand même vous préciser que ma binôme, elle vient du Québec, enfin du Canada. Donc je suis trop contente d'avoir, en fait voilà, elle s'est inscrite, donc c'est Madame Cuve, donc son pseudonyme sur Livre Addict. Et elle demandait si, voilà, elle espérait trouver quelqu'un qui accepterait, comment dire, d'envoyer au Canada. Donc, je me suis portée présente. Donc, regardez la sympathique carte. Donc, je vais lire... Oh là! Oh, c'est trop beau! Donc, je vais lire rapidement le mot, voir si c'est pas trop personnel. Non, bon, je vais vous lire, j'espère que tu m'en voudras pas, Amandine. Parce qu'elle s'appelle Amandine. Donc, coucou Mylène, voici le swap douceur d'automne. Donc, oui, comme je vous précise avant tout, c'est le swap sur le thème de l'automne. Voici le swap douceur d'automne que j'ai préparé pour toi. J'ai eu des difficultés à trouver des beaux marque-pages d'automne, alors je les ai fabriqués moi-même. 2/3, pour toi. J'espère que tu ne seras pas trop déçu. Mais non, oh. Je te remercie d'avoir fait ce swap avec moi et j'espère que le contenu te plaira. En tout cas, de mon côté, j'ai eu bien du fun. Au plaisir et à la prochaine, Amandine. Merci pour ce sympathique, enfin touchant mot. Alors, bon, alors c'est parti. De toute façon, dans le pire des cas, j'aime pas stresser. Si dans les pires des cas, la vidéo se coupe, elle se coupera. Enfin bon, bref. Oui, bon, je sais, il y a des cadeaux qu'elle m'avait montré des photos, donc je... Voilà, pour vraiment être sûre. Donc ça, oui, elle m'avait envoyé des photos me demandant si... Parce qu'en fait, voilà, j'avais fait des recherches de produits, donc les produits de beauté, les bougies. Je lui avais dit que j'aimerais bien avoir celle-ci, profitant justement qu'elle vit au Québec pour... Peut-être qu'elle les avait trouvées, puis finalement elle m'a dit j'ai pas trouvé celle que tu veux vraiment, enfin ceux que tu veux vraiment, mais voilà, elle m'avait demandé est-ce que celle-ci te plaît, et je lui avais dit oui. Donc elle m'a offert donc le gel douche, donc qui vient de Bath & Body Works, j'entends tellement parler de cette marque. Donc Autumn Blooms, donc Shower Gel. J'adore une bouteille de. Le miel, des fois, ils en vendent comme ça avec ce design-là. Alors, ensuite, je prends vraiment au pif. Hein. Je commence pas par les produits de beauté, par les livres, par les gourmandises. Je prends ce qui vient. Et il y en a, vraiment, il y en a un paquet. Ah, ça, c'est la gourmandise. je déchire le paquet de gourmandises. Alors, donc, en gourmandise. Bon, il y en a que je connais. Il y en a aussi en France. Ah, j'aurais dû peut-être prendre les ciseaux. Par contre, les Bounty, je n'aime pas tout ce qui est à base de noix de coco, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Donc voilà, nous avons une barre de Bounty, une barre de Twix, deux doigts coupés. Voilà, et ça par contre, je ne connais pas. Donc c'est du Coffee Crisps. Enfin, oui, le paquet, je ne connais pas, mais à mon avis, ça doit ressembler à une gourmandise qu'on trouve en France. Alors ça, je sais pas, je pense pas que ça soit un livre, parce que vu la texture, on va voir ça tout de suite. Oh, ah oui, je sais pas, j'aurais dû te préciser, mais c'est pas grave, hein, je t'en veux pas du tout, je suis pas du tout maquillage. Bon, je l'offrirai à une amie. Donc c'est des eyeshadow fards à paupières. Donc voilà.
Je demanderai à une amie si ça l'intéresse. Je suis désolée, mais enfin, ne t'en veux pas, Amandine. Mais non, je suis vraiment pas. C'est pas trop mon truc, le maquillage. Mais c'est pas grave. Oh là. Alors, ah, je vois un petit truc. Ça, c'est les décorations automnales. Oh, c'est trop beau. Oh, oh là. Il y a déjà partout. Oh, c'est trop beau. Alors, je sais pas si ça se met quelque part ou si c'est... Ou si je dois juste le laisser donc dans le sac, tout ça. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai hâte de y trouver une petite place. Où est-ce que j'ai sortirai de leur sac pour les mettre comme ça. Mais oh, super, super, super. C'est super. Et surtout qu'on est encore en automne, comme ça je vais pouvoir mettre les poser voilà, sur mes étagères. Oh, c'est super beau, j'espère que vous avez bien vu. Oh, oh, je suis trop contente. Alors ensuite, ça. Alors, ah, ça doit être une gourmandise aussi. Des céréales. C'est, oh, non, oui, Célébration. Des petits biscuits. Et vous reconnaissez là. Oh, c'est chou. Oh, c'est trop beau avec en forme de feuilles d'érable, pardon, et fait avec du sirop d'érable, donc du vrai. Donc, et j'essaye de voir ce qu'il y a là, parce que je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Donc c'est fourré biscuit à la crème. Mmh, il me tarde de goûter. Je vais mettre là. Alors ensuite, oh, ça sent le livre. C'est un peu plus souple. Alors, lequel qu'elle m'a choisi? Parce que j'avoue que j'ai... Bon, il y a des livres, oui, sur le thème de l'automne. Enfin, que ça se passait durant la période automnale que je lui ai cité. Un que je voulais depuis quelques temps, donc j'en ai profité. Et j'ai profité aussi... il y a deux livres de... Deux ou trois? Non, deux. D'auteurs... Non, trois. Oh, ben, bon, bref. D'auteurs québécois que... Voilà, qui tentent rien à rien. Donc, je lui ai demandé... Oh, mamma mia! Oh, grazie, grazie, grazie! Oh, c'est québécois et je vous parle italien. Perdono, j'adore. Oh, j'en ai rêvé tellement de fois quand je chante The Pirouette. Oh, je suis trop contente! Donc, voilà, donc, comme je vous disais, donc, elle m'a offert Du soleil même la nuit de Nathalie Fredette que j'arrivais pas à trouver parce que c'est un livre, donc, vous voyez, Québec-Amérique. Bon allez, bon allez, ne perdons pas trop de temps. Oh, je suis trop contente, donc en plus je vous en parlais. À voir si le deuxième livre, c'est aussi le livre de l'auteur québécois. Ah non, ah oh, mais je suis trop contente. Oh super, oui. Il était dans ma wishlist et avec l'ancienne couverture. Et comme j'adore les rééditions de l'école des loisirs, j'adore voilà, leur couverture. Donc je l'avais mis, donc je suis trop contente. Donc elle m'a offert L'attrape-rêve donc de Xavier Laurent Petit avec la superbe édition, la belle couverture. Ah, it's oh, beautiful, non, c'est bellissimo en italien. Donc voilà, il y en a partout. Voilà. Alors ensuite, ça c'est peut-être les marque-pages. Alors, oui. Oh, oh. Bellissimo. Oh là là. Alors, je vais vous montrer le tout petit. Donc, il vient de l'édition Christian, donc Efata. Je verrai s'il y a un site, mais c'est vrai que comme tous les trésors de la terre ne valent pas le... Tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d'être aimé. Calderon. Donc, franchement, trop mignon. Oh, regardez comme il est trop chou. J'irai voir sur leur site, mais c'est vrai que j'appréhende que, bah, qu'on doit payer en dollars. Enfin, oui, payer en dollars. Je dis, ne... Oh, donc ça, c'est les faits main. Ils sont grands, bah, tant mieux, parce que des fois, quand je lis des bandes dessinées, j'aime beaucoup les grands marque-pages. Donc, voilà. Voilà. Et celui-ci, oh, typique Québec, tout ça. Oh, voilà. Et voilà. Alors, ensuite. Oh,
Ah, ça, j'ai peut-être une idée. Je pense que c'est les bougies. Ouais. Alors. Ça sent trop bon. Saint Bailey. Non, c'est Sensei Bene. Enfin, bon. Faut que j'étudie. Hein. Je note sur une petite feuille tous les mots, comme ça, les expressions que je dis tout le temps et puis je les traduis. Oh là là! Ah, donc c'est ce Omen Mad Goodness of Punky Cupcake. Ah, ça sent trop bon. Il me tarde de la... Regardez cette beauté. Il me tarde de l'allumer. Donc, ça vient de... Bah, Bats of Body Works Home. Alors, ensuite. Donc, j'ouvre la deuxième. Alors, la deuxième, c'est... Bah, même si elle m'avait montré les photos des bougies, je vous avoue que je ne me souvenais même plus. Alors. Après, je mettrai tout dans le carton. Parce que là, il y en a partout sur le lit. Alors, la deuxième, c'est Flipping Awesome Pumpkin Pecan Wife. Désolée pour mon anglais tout pourri. Oh, ça sent trop bon. On dirait qu'on mange des cornflakes. Oh, ça sent trop bon. Oh, je suis trop contente. Mais c'est pas fini. Hein. Il reste 2 paquets. Oula, 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 oula. Que je casse pas tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ça fait du bruit. J'ai peur de tout casser. Parce que ça a l'air quand même fragile. Plus ça fait de bruit, plus j'ai peur. Effectivement, ça lui a un peu de casse. Ah mince. Bon, ce que je vais faire, j'ai trop peur de continuer à le déballer. Ce que je vais faire, je vais vous le... Je le déferrai plus tard, tranquillement, tout en douceur. Et je mettrai la photo sur l'article du blog. Parce que là... Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les imprévus du swap. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est pas grave, hein, je t'en veux pas, mentir. Et le dernier. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! C'est un mug. Faudrait que je trouve une... Enfin, un mug, une tasse. Faudrait que je trouve la place. Alors... Oh, elle est trop belle! On dirait les tasses que je vois quand je regardais plein de photos de d'automne. C'est vrai que ça ressort cette couleur orange. Oh, elle est trop belle! Elle est simple, mais des fois, c'est la simplicité qui fait la beauté. Voilà. Bon, désolée si j'ai un peu... je vais la mettre là. Si j'ai un peu speedé. Comme je vous dis, je voulais pas trop que ça se coupe. Donc merci infiniment, merci infiniment Amandine, je suis super contente, oui mais c'est pas grave pour la casse, je vais l'ouvrir tranquillement, voir ce que c'est pas du tout grave, j'ai complètement oublié le petit incident si je pourrais dire, merci, merci, grâce pour tous ces colis, je vais me remettre de mes émotions, je vais ranger tout le bazar. J'espère moi aussi que mon colis te plaira et comme je te dis, je crois que je vais t'offrir quelque chose pour Noël, je crois qu'une belle amitié est née grâce à ce swap. Donc sur ce, je vous embrasse, vous mes très chers abonnés et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.